Y'a quelqu'un qui est en train de dessiner sur notre maison. C'est la copine avec laquelle je me suis disputée. Pff, je veux changer d'école, j'en ai marre de tout ça. C'est trop marrant. Salut, si la vidéo te plaît, lâche un like, abonne-toi et clique sur la cloche. Bon bah salut à tous les amis. Alors avant que la vidéo commence, on est obligé de vous faire passer ce petit message. Parce que bon, dans la vidéo on va parler de tout ce qui s'est passé avec la copine de Lyros. Bah l'ex-copine du coup. Il y a eu une petite dispute, alors vous inquiétez pas, personne n'a été blessé, il n'y a pas eu de truc comme ça. Mais c'est vraiment une histoire qui est vraiment super lourde. Elle est venue chez nous, elle nous a fait des grosses bêtises. Elle est rentrée chez nous, elle a fait des grosses grosses bêtises. Bon Lyros, ça va? Oui, ça va. Tu t'en remets? Donc on sait pas si Lyros ira à l'école lundi. Parce que le temps qu'elle se remette de tout ça, c'est pas forcément facile. Ouais. Donc voilà, on va vous raconter l'histoire dans la vidéo. On a pu filmer quand elle est rentrée chez nous. Donc allez, on vous laisse avec ça, avec les extraits. Et c'est parti, allez. Non mais regardez les amis, là il y a quelqu'un qui est en train de dessiner sur notre maison là, je sais pas qui c'est. Je pense que je la reconnais, c'est une ancienne amie à Lily Rose, elle était allée à son anniversaire, ça s'était super mal passé. Non mais il faut que je prévienne Lily Rose là. Esteban le nul, c'est quoi ça, ces dessins de caca comme ça? J'en ai marre, j'ai pas de vrai ami. Ça m'énerve. Lily Rose, alors qu'est-ce qu'il y a encore? Devant la maison il y a quelqu'un, je sais pas, elle fait des bêtises, elle est en train d'abîmer notre maison, elle est en train d'écrire des trucs sur notre maison, vas-y regarde. Sérieusement? Mais oui. Je sais pas qui c'est, tu la connais? Oh là, attends, regarde pas trop, c'est qui? C'est la copine avec laquelle je me suis disputée. Tu t'es disputée avec une copine? Oui. Mais tu me l'as pas dit. Bah mais regarde, regarde ce qu'elle est en train de faire, là tu peux pas voir d'ici. Bon allez, Lily Rose, il faut qu'on trouve une solution parce que c'est plus possible, ça va terminer en dispute. Là c'est... Mais quoi? Mais on est déjà en dispute de toute façon. Si Peppa Pig voit ça, il va être ultra en colère. Ok, je vais en bas. Je rêve, elle est en train de dégrader notre maison là, c'est quoi? Ça part trop loin ces histoires. Pour finir, je vais laisser une petite lettre. Allez vite, viens voir. Ok. Regarde, c'est catastrophique. Regarde, là il y a un caca, il y a un caca dessiné. Là, mais comment elle a fait ça? Lily le caca. Ici c'est encore pire, il y a un portrait de toi en caca, je sais pas ce que c'est. Attends, regarde. Et c'est pas le nul. C'est pas possible. Là il faut faire quelque chose pour tes copines. Bah, va régler le problème avec elle, je sais pas quoi. Moi je rentre, c'est plus mes affaires. Mais je sais pas pourquoi elle commence à faire ça. Elle a sûrement voulu se venger à cause de vendredi là. De toute façon, c'est hors de question que je reste dehors. De toute façon, je veux plus la voir. Je retourne à la maison. Bon, il faut que je trouve une solution pour toutes ces bêtises parce que là c'est plus possible de vivre dans l'angoisse comme ça. Il faut que j'appelle la directrice de Lily Rose pour dire qu'on va la changer d'école dès lundi. Enfin, si elle va à l'école lundi d'ailleurs, parce que là c'est la grosse catastrophe. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, tu fais bien d'arriver justement, j'allais appeler la directrice de Lily Rose. Catastrophe là. Bah, t'es au courant des bêtises que Lily Rose a faites la semaine dernière avec sa copine? Ah bon? Non mais t'es au courant ou pas? Oui, non mais... Non mais ouais, parce que... Alors, je suis au courant, quand elle a mis de la colle sur la chaise de la directrice et que la directrice avait les fesses collées comme ça à la chaise. Du calme. Et que ensuite elle est allée au tableau, elle a pris un marqueur, elle a noté sur le tableau. On peut pas, on va devoir racheter un tableau. Bon, et aussi, ça, quand elle a déchiré un livre. Bon allez hop, t'as pas l'air au courant de tout ça. Si, bah je suis au courant Esteban. Laisse-moi, je vais appeler la directrice, j'en peux plus. Allez, ça répond pas. Bah oui, en même temps il est dimanche, hein, c'est normal, elle travaille pas. Tant pis. Bon, Esteban, je reviens, je peux rien faire contre elle, elle est trop folle. Oui, il faut que je l'inscrive dans une nouvelle école de toute façon. Bon c'est bon, là j'en ai marre de cette copine là, de cette ancienne copine d'ailleurs, bouge de ma chambre, vous m'énervez tous. Moi je veux t'aider. Non, moi je veux pas t'aider. Je veux changer d'école, j'en ai marre de tout ça. Bon les enfants, je viens chercher le courrier hein. Je vais regarder ce que j'ai au courrier aujourd'hui. Alors, bah, c'est quoi ça? Esteban le nul, Lily caca, peste. Oh là là, mais c'est quoi ce dessin? Hé, Esteban, Lily Rose, regardez ce que j'ai trouvé dans la boîte aux lettres. Il y a une enveloppe. Esteban, Lily Rose, regardez ce que j'ai trouvé dans la boîte aux lettres. Bah, il est où, Esteban? Bah, t'inquiète, il est en haut, sinon je l'ai envoyé en haut. Regarde, ça doit être ta copine qui a mis ça dans la boîte aux lettres. Alors, bon, attends, laisse-moi regarder. Qu'est-ce qu'elle te veut encore? Je vais me venger de... Non. Pourquoi elle va se venger de toi? Mais non. Qu'est-ce que t'as encore fait? Je t'expliquerai plus tard. En fait, on s'est disputé vendredi et depuis, je pense qu'elle me déteste. C'est pas le problème. Enfin, si, quand même, un peu. Oh, j'ai pas envie d'aller à l'école demain. Bon, il faut que je trouve une nouvelle école pour Lily Rose. Sachant qu'elle a des pires ennemis dans quasiment toutes les écoles, ça va être compliqué. Alors, l'école Saint-Prout. Mais c'est quoi? J'ai jamais vu ça. Bon, on va peut-être pas prendre cette école-là. Alors, cette école.
l'école Marshmallow. C'est un prank, c'est pas possible. Esteban, Esteban, regarde, on a reçu une lettre. Bon, ça doit être la copine de Lily Rose qui a envie de se venger. Regarde, Lily Rose, elle me l'a lu et apparemment, c'est pas terrible, hein. Bon, c'est bon, ils sont partis. Je vais pouvoir vous révéler mon secret. En fait, j'ai pris des cartes à ma copine et je pense que c'est pour ça qu'elle est énervée contre moi. Donc bon, je vais les cacher encore plus parce que j'ai un petit peu peur que Peppa Pig et Esteban les retrouvent. Où est-ce que je pourrais les cacher? Tiens, tiens, je sais, je vais les cacher ici. Ils vont jamais trouver. Allez hop, voilà. Bon, le problème c'est que j'ai pris des cartes à ma copine, mais je sais pas si elle était au courant. Du coup, bah, je pense qu'elle est énervée parce que elle en a plus beaucoup du coup. Donne-moi ça un peu. Alors, qu'est-ce que c'est encore ça? J'ai hâte de voir ce qu'elle va faire. Alors Lily Rose, bonjour. Petite nulle de Lily Rose, et c'est quoi ça? Je vais me venger, tu as pris mes cartes Pokémon, je t'avais pas dit de les prendre, tu es vraiment très méchante. Mais qu'est-ce que c'est? T'es au courant? T'as lu la lettre en entière au moins? Apparemment elle a pris des cartes Pokémon de sa copine. Bon, après tout ce qu'elle a fait cette semaine, ça serait pas grand chose. Entre la colle sur le siège de la directrice, bon bref, je vais t'en passer des trucs parce que c'est vraiment catastrophique en ce moment. Quoi? Comment ça elle aurait pris des cartes à sa copine? Ça se fait pas, elle était pas d'accord. Oui, bah c'est ça le principe, c'est qu'elle était pas d'accord et que surtout qu'elle était pas au courant. Bon, allez, je commence à être perturbé. Tu devrais aller voir Lily Rose. D'ailleurs, on va aller la voir à deux parce que je pense que cette histoire elle est pas finie. Parce que cette copine, je pense que cette nuit elle a décidé de se venger et ça, c'est pas bon pour nous. Bon, Lily Rose, bon, on a des nouvelles pour ta copine. T'es vraiment la pauvre de l'histoire. Oui, oui, t'es vraiment, t'es vraiment la gentille oui, de l'histoire. Et au passage, t'aimes bien les cartes Pokémon, oh, le truc? Pas trop, j'aime pas trop. T'aimes bien les cartes, toi? C'est bizarre, hein, j'ai l'impression que t'allais un petit peu. Non, non, c'est bon. C'est bizarre, hein, vas-y, va par là. Oui, d'accord. Va par là, c'est bizarre. Pas de soucis. Qu'est-ce que tu essayais de cacher? C'est quoi ça? J'ai jamais vu ça. Oh, c'est rempli de cartes et de trucs qu'on joue à l'école. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est rien, c'est rien. C'est sûrement toi qui as dû me la donner. Bon alors, Esteban, tu as retrouvé les cartes? Bah, je pense bien les avoir retrouvées. Et d'ailleurs, Lily Rose, en voyant ça, s'est enfuie. Donc, bonne chance pour la retrouver. Moi, je fais plus attention à ça, j'en ai marre de ces histoires. Elle fait n'importe quoi, sa copine fait n'importe quoi, l'école fait n'importe quoi. Je veux plus entendre parler de ça, on va la changer. Un point, c'est tout. Bon, je vais la laisser 2 minutes et après, j'irai la voir pour des explications. Bon, allez, je vais aller me venger. Ils sont vraiment bêtes, ils laissent leur porte ouverte. Bon, je vais voir Lily Rose en haut. Bon, allez, je vais me cacher dans sa chambre. Et quand elle dormira, je vais lui faire une petite surprise toute chaude. Bon. Oh, génial, mais c'est la cachette idéale. Bon, allez, je vais me cacher à l'intérieur. Ah, elle va jamais me trouver tellement qu'elle est bête, celle-là. Bon, là, j'en ai marre. Je vais fermer ma chambre à clé, là, à pyjama plutôt. Et je vais faire une grosse sieste. Je suis fatiguée de toutes ces histoires là. Ah. Bon allez, je pense qu'elle dort, je vais pouvoir y aller. Allez, c'est parti. Waouh. C'est trop marrant. Allez, on y va. Adieu. Woohoo. Ah, c'est bizarre, j'entends des bruits ici. Ah. Allez. Ah, qu'est-ce qui se passe encore? Alors Simon, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Oh, j'adore, c'est trop beau. Je suis sûre que c'est ma copine, enfin plutôt mon ancienne copine qui l'a fait. Mais je m'en fiche, c'est comme un tatouage, c'est trop beau. Bon allez, j'y vais. Ah t'es là, t'étais bien rentrée dans ta chambre, on s'en doutait. On te cherchait. Attends, t'as quoi sur le visage là? C'est quoi ça? Ouais. C'est la copine qui s'est vengée? Ouais, elle a cru se venger en mettant du marqueur rouge sur mon visage. Mais c'est trop beau, c'est stylé, on dirait un tatouage. Y a rien de stylé. Il est du tout, c'est moche, allez va laver ça. En plus elle a dû mettre un marqueur nul là. Oh, c'est un beau petit cœur quand même, mais bon. Mais non, ça non, se fait il pas. Faut effacer ça. D'ailleurs, ta école dans 30 minutes, je te rappelle, t'as dormi toute la nuit. Allez, allez, cliquez sur une vidéo qui apparaît, à la prochaine, bye. Bye bye.